Si vous avez l'habitude de sortir de chez vous sans prendre de petit déjeuner, vous devez savoir que cela rend la perte de poids difficile. En effet, il est nécessaire de prendre un petit déjeuner sain chaque matin. Les personnes qui s'habituent à sauter le petit déjeuner ont ainsi tendance à ingérer plus de calories durant la journée. Si vous ne savez pas quoi préparer le matin, nous allons vous proposer des ingrédients pour un petit déjeuner sain, nutritif et délicieux. 1. L'avoine dans un petit déjeuner sain. L'avoine est un super aliment. Parmi ses bienfaits, on trouve les suivants. Elle diminue les niveaux de cholestérol et les problèmes cardiaques. Pour obtenir ce bienfait, il suffit de consommer les 3/4 d'une tasse d'avoine au petit déjeuner. Elle améliore le processus digestif grâce à la grande quantité d'eau absorbée par l'avoine. Cette céréale accélère et améliore la digestion. Elle réduit le risque de diabète. Les fibres solubles contenues dans l'avoine aident à conserver les niveaux de glucose assez bas. Consultez cet article, les 5 incroyables bienfaits de l'avoine au petit déjeuner 2. Le yaourt grec. Cet aliment crémeux apporte 2 fois plus de protéines et de calcium que le yaourt normal. Parfait dans le cadre d'un petit déjeuner sain. D'autre part, une tasse de thé vous apporte la sensation de satiété dont vous avez besoin pour commencer votre journée. Au moment d'acheter votre yaourt, assurez-vous qu'il soit nature, faible en graisse et sans sucre ajouté. Si vous n'aimez pas son goût ou que vous préférez quelque chose de plus sucré, vous pouvez y ajouter des morceaux de fruits et une demi-cuillerée de miel. 3. Le pamplemousse dans un petit déjeuner sain. Le pamplemousse ou le pomelo sera votre allié si vous souhaitez perdre des kilos. Il a été prouvé que le fait de manger un demi-pamplemousse avant chaque repas aide à réduire la graisse qui est stockée dans l'organisme. La consommation d'un pamplemousse au petit déjeuner permet de stabiliser les niveaux de glucose pendant la journée. De plus, il vous hydrate et stimule votre système immunitaire. 4. Le pain complet. Les hydrates de carbone sont importants pour un petit déjeuner sain. Avant de choisir le pain que vous consommez, n'oubliez pas que tous les hydrates de carbone ne sont pas bons. Les meilleurs se trouvent dans les aliments composés de farine complète. Important est que le pain que vous achetez soit riche en fibres et faible en farine raffinée et en sucre. 5. La banane dans un petit déjeuner sain. Rien de tel qu'une banane pour éviter les petites faims de la mi-journée. Grâce à sa haute teneur en potassium, la banane réduit la pression de manière naturelle et rapide. Il est important de faire attention si vous êtes diabétique, car vos niveaux de glucose pourraient en être affectés. Dans ce cas, limitez votre consommation à une demi-banane par jour. 6. Le beurre d'amande. Si vous préférez éviter une consommation quotidienne d'œufs, le beurre d'amande est une excellente alternative de protéines. Il contient une grande quantité de graisse monoinsaturée. Une cuillerée de beurre d'amande étalée sur une tartine de pain complet, ou avec une banane ou une pomme, est suffisant pour un petit déjeuner sain. Le beurre d'amande est aussi sain que le beurre de cacahuète et il est donc idéal pour les personnes qui sont allergiques à la cacahuète. 7. La pastèque. Vous faites partie des personnes qui se réveillent en ayant soif? Dans ce cas, ajoutez de la pastèque à votre petit déjeuner. En plus d'être composée de 90% d'eau, la pastèque est riche en lycopène, un nutriment présent uniquement dans les fruits rouges, et qui est important pour la vision, la santé du cœur et la prévention du cancer. La bonne nouvelle est qu'une tasse de pastèque apporte seulement 40 calories et en demande 2 fois plus de la part du corps pour être digérée. 8. Les mûres bleues fraîches ou congelées. Les mûres bleues sont riches en antioxydants. Plusieurs études ont démontré que ces fruits aident à améliorer la mémoire, augmenter les habiletés motrices, réduire la pression sanguine, accélérer le métabolisme. Si vous voulez apporter une touche sucrée à l'avoine de votre petit déjeuner, ajoutez-y une poignée de mûres bleues. 9. L'œuf. Il existe plusieurs mythes autour de la consommation de l'œuf. De nombreuses personnes pensent que le fait de manger des œufs augmente les niveaux de cholestérol dans le sang. La réalité est qu'un jaune d'œuf contient près de 60% du cholestérol que nous devons consommer par jour. Si vous mangez 2 blancs d'œufs, un demi-pamplemousse et 2 tranches de pain complet, votre petit déjeuner sera parfait.
Ici le café dans le cadre d'un petit déjeuner sain, l'expresso que vous prenez chaque matin pour vous réveiller dispose de nombreuses propriétés. Il a été vérifié que les personnes qui consomment une tasse de café au petit déjeuner ont moins de risques de souffrir de diabète et de cancer de la prostate. Pour que cette boisson conserve tous ses bienfaits, évitez la consommation excessive de crème et de sucre. De plus, optez pour le café préparé à la maison. 11. Le thé apporte des bienfaits très similaires à la caféine et il hydrate davantage. Les composés antioxydants présents dans le thé sont ainsi excellents pour l'organisme dans le cadre d'un petit déjeuner sain. Tous les types de thé, vert, blanc, rouge ou noir, sont incroyables, mais le meilleur reste le thé vert. En plus de boire une tasse de thé au petit déjeuner, vous devez aussi consommer 4 autres tasses tout au long de la journée pour accélérer le métabolisme. Lisez aussi, 5 plantes médicinales qui améliorent la circulation sanguine et la santé cardiaque. Revenez aux choses simples pour un petit déjeuner sain. Les 11 aliments que nous vous avons proposés dans cet article sont des aliments rapides à préparer, faciles à obtenir et très nutritifs. Vous devez les inclure pour avoir un petit déjeuner sain. Si vous n'avez pas le temps de les manger chez vous, préparez-vous donc un Tupperware et mangez-les plus tard. 6 recettes de petit déjeuner adaptées à votre régime. Voici 6 recettes de petit déjeuner équilibrées à ajouter à votre régime, pour ne plus avoir besoin de grignoter entre les repas. Lire plus Let's Block ADS. Why?